Bonsoir Alain. Je suis Arlette Pouf. Et voici ma sœur jumelle, Jocelyne Pouf. Vous connaissez peut-être nos deux cousines qu'on a en Bretagne, à Lorient, Yvonne Moru et Soisic Moru. Oh, elles sont très connues dans le quartier de l'Arsenal. Mais même qu'on n'est pas bretonne, on vous admire drôlement. Donc, on est allé vous attendre sur le quai à votre arrivée. Et pour faire breton, on avait emprunté des toilettes à nos deux cousines. Du coup, on nous a prises pour elles. En nous voyant, les gens ont dit « Eh, vise un peu les deux morues. » Raté, on leur a dit. Nous, on est les deux poufs. Ben oui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Même la voiture, elle était choisie exprès. Pour aller voir la mer danser, on avait choisi une Golf Clair. Oh. Sauf, le service d'ordre nous laissait pas passer. Il disait qu'on n'avait pas le profil femme de marin. Plutôt fille à matelot, qui disait. Mais le brigadier est intervenu, hein. Il a dit, laisse, dans un port, t'as forcément des cajots qui traînent sur le quai. Ouais, mais on voudrait se plaindre. On nous a manqué de respect. Vous, vous avez peut-être fait le tour du monde, mais ce jour-là, dans la foule, t'avais de la paluche qui explorait la Lune. Et ses cratères. Heureusement, ils avaient quelqu'un de galant. Oui, un grand breton. Un grand, j'ai dit. J'ai compris. Il nous a dit, hé, hey, les deux morues, asseyez-vous là, vous serez plus à l'aise en nous désignant deux, comment on dit déjà? Deux bornes d'amarrage. Voilà. Deux bornes d'amarrage. Faut vous dire que nous, comme on est deux femmes plutôt libres, on a toujours chéri la mer. La première croisière qu'on a faite, c'était avec un grec. On est parti sur son yacht. On faisait du cabotage. Ah ouais, avec lui, on a mouillé dans beaucoup de ports. Bon, les deux poufs, on va pas y passer la soirée. Un ange passe. Oh, c'est plus un ange, rien, c'est un escadron. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est avec le grec qu'on a chopé le virus. Le virus de la mer. Je veux dire des bateaux, des marins aussi. Ah, oh, combien de marins, combien de capitaines. On les compte plus. Mais donc ce jour-là, on n'a pas pu vous approcher. Puis il y avait votre dame et tout. Elle avait peur de déranger, quoi. Mais on voulait vous dire, la prochaine fois, partez pas en solitaire. Avec Jocelyne, sur votre monocoque. On s'occupera d'un mât chacune. Comme ça. Ben comme ça, en rentrant, vous aurez les mains moins calleuses. Merci de nous avoir invités. Eh bien oui, je suis Toub, le Toubib de Foun, et voici Refoul. Alors Mimi, j'ai vu ton spectacle et prends ça comme un complément, c'est trop court. Palmade et toi, vous auriez dû faire plus long. Pierre Palmade est trop court. Ce n'est pas sale. Mais Pierre, s'il est encore jeune, a hélas atteint un âge où son corps ne changera plus dans ce domaine. Pierre doit accepter sa différence. Et tu peux l'aider, Mimi. Assure-le que les plus courtes sont les meilleures. Un appel, peut-être, petite vicieuse ou petit cochon. Ta gueule, connard, c'est ta bata cash. Cash, ça veut dire thune, donc tu peux pas perdre mon temps à m'interrompre parce que tu me ferais perdre la thune, putain. Tu veux gagner de l'argent. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs. Elles aussi, elles aiment être arrosées. Ta gueule, ringard, ça me fout les boules graves, le succès de Mimi modèle réduit, là. Toute la thune qu'elle doit se faire, les gens l'adorent, tout ça parce qu'elle a la taille de la bite à Noah. C'est injuste, merde. La thune qu'elle gagne. Non, ça me troue le cul, bordel. Ça te troue le...
Ce n'est pas sale. Juste douloureux au début. Heureusement, il existe certaines huiles... Ta gueule ! Moi, les gens me haïssent. Je suis obligée d'avoir un garde du corps et un pitbull. Pourtant, moi aussi, quand j'étais pas grande, j'étais petite. Je montrais mon cul à tous les passants, déjà pour de la thune. J'ai pas autant de thune qu'elle. Je veux de la thune. Enfant, tu aimais t'exhiber nu. Ce n'est pas sale. Tu étais fière des changements de ton corps. Ça te passera. Ouais, avant que ça me reprenne. Un autre appel ? Allô ? Oui. Alors, j'appelle du Morbihan, là. Département... un département formidable, hein. Super ! Allez, vas-y, Loïc, souffle dans le biniou. Bon, alors, je voudrais rendre espoir aux personnes de petite taille, hein, dont je fais partie. Mon frère Philippe est lui aussi une personne de petite taille. Mais lui, il a bien réussi dans la vie, hein. C'est un nain impuissant. Le petit Philippe est un impuissant. Ce n'est pas sale. Il peut s'agir d'un problème d'hormones, de circulation. Peut-être est-il trop excité par sa partenaire ou moins intimidé par sa beauté. Qu'il se rassure, cela arrive à tout le monde de connaître des pannes. Ah, formidable. Alors, pour plus de détails, qu'il nous écoute sur Foon, répondre aux questions de nos amis les jeunes, petits et grands. Vive la jeunesse, vive la différence, car la jeunesse est une différence. Merci. Je suis l'instituteur Pochetron, président de Consencule donc, fan club du professeur Choron. Quant à cette charmante jeune fille, à la limite de la radasse, elle me suit partout. Moi, ce que je voudrais, c'est poser nu dans les romans photos puis chanter les chansons de Noël. Mais il veut pas, lui. Non, je veux pas. Faut pas croire que lors des réunions de Consencule donc, les membres s'emboîtent l'un dans l'autre. Non, non, non. On a juste appelé le club... Consencule donc, pour choquer un peu comme le prof. T'avais dit que si j'étais gentil, ben je pourrais poser nu et puis chanter Noël. Au club, on se réunit, on fume trop comme le prof, on rameute des putes et on va se bourrer la gueule avec les flics du commissariat d'à côté comme le prof. C'est sûr que... Ben moi, je suis sûr que le prof, lui, il me laisserait poser nu et puis chanterait Noël avec moi. Ah. Toujours pour faire comme le prof. Histoire d'avoir des ennuis avec le fisc, on lance des journaux qui déposent leur bilan. Par exemple, on fait au ras du kiki, journal con et fumier. Con et fumier pour pas me laisser poser nu et puis chanter Noël. Dedans, dans le journal, on fait des romans photos avec des bonnes femmes à poil. Et celle-là est venue pour un casting, mais quand on l'a vue cul nue, on l'a lourdée vite fait. Mais depuis, elle me lâche plus. Le prof, s'il me connaît, s'il connaît en romans photo et puis... Oui. Et puis il chante Noël, quoi. Oui, oui, enfin bon. Ceux qui n'aiment pas au ras du kiki en 95 sont ceux qui n'aimaient pas Charlie Hebdo en 75 qu'il crève. Ah ben sur son prochain disque de Noël, eh ben, le prof il va me faire faire les cœurs. Puis sur la pochette, eh ben, je poserai toute nue. Bref, Choron est officiellement invité à venir se bourrer la gueule avec nous et des flics et des putes lors d'une réunion de Consencule donc. Eh hey, prof, regarde ça. Espèce de salope, je t'avais dit de ne pas sortir notre gosse caché. Non, tu ne vas pas chanter. Tu ne vas pas chanter. Petit papa Noël. Ça ne t'étonne pas que j'ai quitté. Quand tu descendras du ciel. Oh là là, arrête. Viens voir mon âme. Oh, arrête. Ah non. Ah, mon beau sapin. Il y a des enfants, c'est merci, professeur. Rendez-lui sa radasse. Lâchez-la. Je vous la garde pour plus. Allez, viens, viens. Allez, s'y coller. Allez, non. Sans préservatif. Je suis désolé. Vous pouvez être désolé, oui. Préférez que vous alliez vous mettre juste à côté du professeur. Avec plaisir. Parce que
La ressemblance est tellement extraordinaire. Oui, c'est vrai. Juste le porte ma chaîne. J'en porte ma chaîne, monsieur. Non, mais ne bougez plus, vous la ramenez. Aujourd'hui, nous avions le crooner. Et son fils. Et son fils, le professeur Choron et son fils. Merci. Bonne soirée. J'ai perdu mes oreilles. Bonsoir, je suis Jeannot Lapin. Et voici Pamela Lapine, une amie. Une bonne amie. Monsieur Vera, vous êtes extrêmement sympathique, mais j'aimerais savoir pourquoi dans votre livre, vous encouragez les ménagères à cuisiner durable de lièvre, des civets de lapin, etc., etc. Ou de lapine. Oui, qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est pas de notre faute s'il y a des gens qui veulent vous obliger à porter une toque à la place de votre chapeau. Nous, vous pouvez faire la tambouille. Coiffé d'un sombrero, d'un casque intégral ou d'un fez, c'est pas ça qui nous ronge. Articule, on comprend rien avec ton bec de lièvre. D'autant que nous avons beaucoup de points communs. Si, si, nous avons beaucoup de points communs. Vous faites une grande consommation d'herbes. Moi aussi. D'ailleurs, si tu veux, là, ces jours-ci, j'ai changé de dealer. J'en ai de la Burkina Faso méga bonne, tu vois. Ah, ça c'est vrai, nous aussi, il a une bien herbe. Sauf après, il a les yeux rouges comme à la paruche. Autre point commun, tout comme nous, vous aimez aller de bon matin folâtrer dans la montagne à la recherche d'herbes rares et de précieuses épices. Bah évidemment qu'il va dans la montagne où tu sais qu'il veut qu'il aille. Tu cherches les épices dans un violon? Épices dans un violon? C'est l'humour de lapin. De lapine. Alors, pourquoi nous entretuer alors que nous goûtons les mêmes plaisirs, monsieur Vera? Cuisiner autre chose, du rhinocéros, du facochère, et cesser de contribuer à l'extermination des rongeurs à grandes oreilles? Je sais bien qu'on sera produit facilement, mais quand même. Si un jour, vous voulez arrêter la tortore et vous reconvertir dans la magie, prévenez-moi, vous avez déjà le chapeau, je peux bien faire le lapin quand on sort. Et puis on pourra aller chercher de l'herbe ensemble. Non, pensez-y et merci d'avance. Mais au fait, à propos de reproduction rapide, je voudrais pas... Mais avec plaisir, ma chérie. Oh, ben non. Oh, c'est vrai. C'est vraiment élégant. Ça dirait pas dans le médecin, dis-moi. Ah non, 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 non.